Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller voir le dernier Mission Impossible, 6. Si vous-même ou l'un de votre équipe est capturé ou tué, l'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Cette bande va s'autodétruire dans 5 minutes, 5 secondes. J'y suis allé. Me suis dit, tiens, allons voir le nouveau chef-d'œuvre de Tom Cruise. J'y suis allé. Alors, pour résumer l'histoire, c'est un peu compliqué, hein. Il y a des espions, il y a de la trahison, il y a de l'amour, il y a des cascades. Ah, des cascades. Un vrai ballet. Les bagarres, c'est. Alors, parfois, ça me faisait penser à Belmondo. Pourquoi? Parce que Belmondo a réalisé ses propres cascades. Mais ça, c'était chorégraphié. Ça, c'était chaque instant, ça. Les galipettes, les. Waouh! Bravo. Bravo, Tom Cruise. Tom, good. Tu es vraiment magnifique. Non, je pense pas qu'ils me comprennent, mais c'est pas grave. Alors, le film en lui-même, vous avez compris, j'ai aimé tout ce qui est cascade, tout ce qui est action. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film d'action aussi de si bonne qualité. J'avais été voir le premier Mission Impossible. J'avais moyennement aimé avec des Français, Jean Reno et Emmanuel Béard. Là, il y avait une Française, enfin, je pense qu'il y en avait plusieurs, qui a un petit rôle. Alix. Alors, il y a quelques années, j'en ai déjà parlé. Il y a quelques années, elle m'avait contacté pour que je sois son ami Facebook. J'ai accepté. Et depuis, elle a fait du chemin. Elle a joué notamment dans 15h17 pour Paris. Déjà un film américain. Là aussi. Que demander de plus? Non, non. Bravo à Alix et bravo à Tom Cruise. En plus, elle a face à face avec Tom Cruise. Non, non. Vraiment. Est-ce que je peux dire que je suis fier d'elle? C'est pas bon. C'est pas grâce à moi tout ça. Moi, je suis pour rien. Voilà. Petite parenthèse sur Alix. Mais non. Sur le film. Le film, c'est un petit bijou, hein. Cascade, tout ça. Et non, non, il y a des moments drôles, il y a des moments amusants, il y a des moments de trahison. On se demande, bon, on se doute que celui qui devient ami avec Tom Cruise, on se doute bien qu'à un moment donné, il va le trahir. Ah bah oui. Il y a des choses on se doute, mais on rentre dans le film assez rapidement. Alors, oui. Je vous dis à vous, allez voir Mission Impossible s'il est toujours en salle. Parce que on passe un moment agréable. Très très bon film d'action de qualité supérieure. J'ai vu tous les autres à la télé, mais je les ai vus. Et celui-là les dépasse largement. J'étais fan de la série. Bah ouais. Alors, j'ai pas vu la première aussi. J'ai dû voir tous les épisodes, même de Mission Impossible Nouvelle Génération, que j'ai moins aimé. Voilà. Alors, maintenant que ce message ne va pas se détruire, rassurez-vous, je vous donne à toutes et à tous, si vous l'acceptez, rendez-vous pour une prochaine critique. Mais si vous vous faites tuer ou bien capturer, je vais nier vous avoir donné ce message. Au revoir.